Alali rani male be morade alani zolabe. Wale palami. Wale palami. Mugena kramela alazi. Gai krali ma kuti barika idatu. Severi kela fere tate. Ke severi kela ke. Pour même bien que tout ce qui doit exister a été écrit auparavant. Donc dans ce qu'on appelle le langage scolastique, c'est-à-dire le langage religieux, qu'on appelle la table gardée. C'est-à-dire, à combien voit Allah il a marre sur la croix, mais Allah il a dit à Pépé les volets, quoi. Le traité de fou. Il a ses bons chiens m'embarquent. Tous ceux qui sont passés avant, le prophète Mohammed dans les salats, on les a traités de fous. Parce que ils ont pris à contre-pied le fonctionnement normal de la société. Parce que les gens, c'est à l'adoration des idoles, Kadjouko, le bateau, Mordabo, voilà, pourquoi, quand, Koumaï. Ils se disent, mais est-ce qu'il est normal? Voilà, Koumaï, bon, Ati Haki Kawa, Koufa Toli, quoi. Ils doivent avoir un Koufa Toli. Odini, même si se comporte, qui mâchent, ils ont resté quatre pour le Koufa, les Timilo. Voilà, franchement, les gens. Quand ils se comportent aussi agressivement, on dit que c'est la voleuse de Koufa, les gens. Donc, à ce moment-là, il y a un et cette parole est mise dans la bouche du prophète, dans la 300 lui-même. Quand il y a un tu as une récompense immense, Yabara Koufa. Il dit à Bara Kedron, il faut endurer tout ce qu'ils disent, qui te traite de fou, qui te traite de poète, de poète, qui te traite de charlatan, pour la sécurité l'année. Et ça, c'est le prophète doit être exemple pour ceux qui ont. Pour les héritiers des prophètes, qui sont les savants. Ali Mouloka Kouma Loufouema, il faut endurer, il faut supporter. Mais la récompense est immense, c'est d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au salam, elle est au salam, elle est à la paix. Oulez-moi, Mabudo, Olanda, Olé, Boudouya, Olé, 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 tu as un comportement exemplaire. Rasoul Ali, Salatou Wassalam, allez vous goûter. Adabadi Rabifa Asanatadi. Que c'est Allah qui m'a éduqué. Il m'a parfaitement bien éduqué. Le prophète est très éduqué. C'est-à-dire, assez moi à quel âge. Allez, lui dit là, travailler pour le prophète. C'est-à-dire, il a accompagné le prophète. Il était là avec lui pendant des années, très longues années. Comment faut manquer? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Quelqu'un qui a ton service. Imaginez une personne, bonjour lui, donc il a pouvoir quoi. Parce que sans mal appris quand le prophète fait, Kabraka, il quoi, la baral qu'Allah qu'il a moi, ça, tout ça. Ojo blavé de quoi. Et Marie-Cruz, Anas lui dit que le prophète ne lui a jamais dit, voilà qu'il a ma poli Mamenge. Tellement il respectait l'autre. Le prophète était comme ça. Il avait un immense respect pour tous ceux, qui collaboraient avec lui. Alors, vous voyez, voulez-moi, ma douleur, Olanda, elle voulait,
On saura tôt ou plus tard qui est vraiment fou. Et le prophète sallam, en fait, cette guerre qu'ils ont menée contre le prophète, qui a gagné finalement? La Mecque aujourd'hui, aucun mécréant ne peut rentrer. Qui a gagné alors? Historique, l'histoire donne raison à qui? Alors, comme on remet Fatolé, Amabou Bangala, le prophète a très très souffert. Allez, salatou wassalam. L'année, et Allah l'a fait souffrir aussi, c'est-à-dire il a enduré beaucoup de choses. Allah dit, allez, salatou wassalam. Adjemal Mourjouna, qui la mère, c'était sa femme. Il avait une femme qui avait les moyens, vraiment qui a mis tous ses moyens au niveau du prophète en Israël. Qu'Allah dit, Adjemal. Au Moussoumé, au Salah Samena, il y avait son nom qui le protégeait aussi au Bébé Kassar Sandiki. Donc il était comme quelqu'un qui n'a pas d'aide, qui n'a pas de protecteur à la main. Il a quitté la main. Voilà. Et puis il est né, bon, c'est ça qu'il est né, orphelin. Akalatra Toaïf. Katrachiama Kourou Yafolu. Akatila Dumla. J'ai envoyé un émissaire à Toaïf. Kounika Seko en Fatoche Boya. Kounika Seko. Quoi dire là du Fatou? Quand le prophète est rentré à Toaïf, Akadénou d'abord. Il est les voyous. Kamabou Bangala, lapidé jusqu'à ce que Jésus était rempli de sang. Ça dit qu'à Oumou Bazano, il y a un Kamabou Bangala, Kamadina, un grand homme comme le prophète Mohamed. Il a enduré tout cela. Alors pour le coiffer, Faka Kemeno en l'or. Mais qui a gagné finalement? Rasoulou Ali Salatou Wassalam. Surtout le jour, il a donné l'ordre qu'aucun mécréant ne doit rester à la Mecque. On vous donne 4 mois de partir. Soit tu deviens croyant, tu quittes la Mecque. Et jusqu'à aujourd'hui, cela existe. Aucun mécréant ne rentre à le sein de la Mecque. Non, c'est terminé. On me vient à la chama wahoa, à la doha, à la de l'or de balle, de l'ébouhotadé. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, ça c'est pour soulager le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'on doute qu'à qui l'on parle, ce qu'il y a qu'à qui l'on. Parce qu'il y a des gens, allez, on peut lui dire, d'autres qu'à qu'à la dire, je m'en parle, s'il n'a pas d'argent, quand j'ai le voir, quoi, à la dire, qu'à ou pas, ou est-ce que ça n'a rien à voir. Les gens qui prient beaucoup, il y a des gens qui pensent que leur récompense est avoir beaucoup d'argent. Kouchama ou la vous êtes bon. Ça n'a rien à voir. On peut être quelqu'un très pieux et puis être pauvre. Ça n'a rien à voir. Mais Bita le jugement du Valémeille, c'est matériel. C'est quelque chose de qui veut voir, visible, quelque chose de visible, voilà, palpable. Voilà, il a du haut qu'elle a ouais, voilà. Tu es un vrai cramor, quoi. Il go cramor, j'ai dit, il y a la diègue, ouais, dit vous. Ah, où c'est qu'elle a voir? Le contraire aussi peut se faire. Tu peux être quelqu'un qui est plus beau. Voilà, tu donnes les moyens. Voilà. Quelqu'un aussi qui ne fait rien, il n'a rien. En d'autres jambes alors. À tes lalors. L'âme de l'amour. Oui, il y a tout ça. Donc, à moi, quand on le juge par ce qui est extérieur. Par l'apparence. Il y a les mois, ma douée, la vie. Il y a la bataille. Allez, mon casier, on est en bande là. Bien, j'ai vu. Ces menteurs-là, ces négataires, moi, ma beaucoup qui gonne le problème. Pour lui, Nathalie, n'est qu'elle a là, on peut dire. Pour lui, Maya, là, homo. Allez, mon lui, au sable, au sable, mon lui, nous n'avons lui, ni Maya, au lac, mon lui. C'est-à-dire, il veut se réconcilier avec toi, mais. En abandonnant tes principes religieux. Akana propose à la Jara sur la Kouassala, on te propose, si on peut s'entendre, quoi lui à la bateau, et le prophète,
adorent leurs idoles un an, c'est-à-dire eux tous, c'est-à-dire on fait échange, on fait des procès. Non. Sur les principes, ces gens des principes religieux pour monter à la patrouille. Bon, pour Kaïgou Mrolou là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Yakuma Mrodoma. Là, il précise la personne. Au Mrobewe, Nika Blanda Duya Lobby. Ali Duya Duna Lor, Mrobale. Oui. Allah Kuna Kumen Voma. Diningalu, ça dit, Allah va t'insulter par tes injures que aucun voyou ne peut accepter. Bon, c'est Allah qui le dit. Et le prophète est obligé de dire ce qu'Allah lui dit. Et c'est, on va savoir de qui s'agit cette personne-là. Yale Muhammad la toutia. Pukana la batoudika kulahala fembala. Il y a tout quelqu'un qui dit nanana, ouah tu bébé, non, t'es mort, bébé. C'est pas bon. Hein? Quelqu'un qui joue tout le temps. Voilà, bilette, là. Non. Non. Donne ta barre à lui, quoi. Voilà, bilette. Voilà, bilette. Non. Et de nanana, j'ai la gêne. Non. Alors, j'ai la gêne, c'est qui est en tout cas. Ah, on bébé, là. Et va financer. Et va financer. T'as pas son cerveau, mais bon. C'est rien, ça. Mon pays qui est là, ouah tu bébé. On va vous dire trop voilà. Je n'y vais jamais. Parce qu'il y a des brabards, on les brabards. Ça dit Mahin, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Et Allah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il a une immense valeur dans la vie d'ici-bas. Mais Allah fait monter quoi. On voit mon goût, mon bazar, monter. Et mon bazar, mon hamas. Mon lulé pour baba ou macha y jala jala ke ba ou bidna mimi ni brafe ya le mana et koumane de ba ou le lechere kerala yéjewe. Ça dit, il est radin. Ce qu'on a dit, il est avare. Et si quelqu'un est qui fait le colportage, ça dit, à ka commando pour me go fab. Et c'est une grande personnalité, une grande personnalité, parle dans le Coran. Cette personne-là était je peux dire, le plus grand de la Mecque. À l'époque où le prophète a lu la prophétie. Il s'agit de Khalid ibn Walid. Bakaka Luko. Kuni Kwana te kaketiani. Kouta kaka de Khalid ibn Walid. Parce que Allah lui a fait des faveurs à ma mengue broche mambaye. C'était quelqu'un dans la société très très respecté. D'abord pour son âge, il a vécu longtemps. On le voit en bas. Et il avait une position sociale spéciale. C'est-à-dire que Kaker, Ados Batia Tchombal, Kaker Tchombal Dingle, c'est-à-dire dans sa jeunesse, même les vieux l'appelaient Menro. C'est-à-dire oncle quoi. Parce que il était le petit de son père, qui était aussi un grand homme. C'est Walid ibn Mughira. C'est Walid ibn Mughira. Donc, à quoi moi, Menouné, Menouné ou bien va, Menouné à quoi aller, ou nous Benrochelo. Regardez la société. Donc, il est respecté, sa position sociale. Secondo, il avait l'argent. Oui, il n'y avait pas plus riche à la main que lui. Kawedman. Wabani Nashuhodan. Il avait 10 enfants, 10 garçons. Degeta. Ça dit Adinking Gimbe. Ça dit quand tu les vois, tu sais que tu as vu un homme. Physiquement et puis ben, socialement. Il a dit l'autre pour les mêmes. Qu'est-ce qu'il lui manque? Il n'a pas pour être respecté. Makakal Koulo, ou c'est lui qui devait être la porte. Il a déjà tout. On était qu'à Kaoli, on allait accepter. Pas Mohamed Barley sur la croix, c'est là. Qui est orphelin, il est pauvre, il va marcher comme nous. Allah, pourquoi être à la longue locale tranquille? Le prophète a fait tout ça, oui. Il va au marché, il fait des sensations. Quoi, n'a pas lui, au côté de la Sémorie, ils ont dit non, pas lui. Et il dit, voilà, la NASA, à la radio, il n'a rien à faire dans la vie. Il y avait deux grands hommes. C'est-à-dire, la mec, lui, il était là. Et à Taïf, il y avait sa maçon de sa capille. Bon, Massoud Sakafi, mais aussi, on ne peut pas parler de Taïf. C'est les deux
La diatéka qui est mourue pour la de deux grands hommes de l'époque, de Toïf et de la Bête, c'est de ces deux personnes-là. Pourquoi on a un cadeau? Vous l'aimez quoi? Parce que elle est un peu bête de l'homme, bien là. Ce sont ceux-là, ces deux personnes qui devaient recevoir le Coran. Parce que le Coran a une valeur inestimable. Ça dit qu'il y a un cadeau de l'homme. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi lui là ça? Allez, allez, ok, quoi. Quand tu comprends ça, lui, à l'aller qu'elle a, ben, tu n'es pas aigri. Tu ne deviens pas jaloux. Mais quand toi, tu penses que l'autre n'a pas le droit, il ne mérite pas, tu vas devenir aigri. Parce que toi, tu t'es dit, tu mérites mieux que lui. Pourquoi lui là? Donc, il est capable, le coup d'or, coup de brûlé, ben, il est brûlé, quoi. Donc c'est comme tu t'es mis en contradiction avec la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est animé de couler dans son main. Parce qu'il était mort donc il a l'allé. Ben il y a un cas qui est là. Pour t'y aimer, oui. Il y a la kéba au tout à mimi. Les bras fait à les manas. Et pour bander les bras au les frères. A te khera ke broye mon ta di Janda de on asimi Rukuto on tuli Haki da on zanimi Nyamo de on tanda zane Kome se kowe Ala chè di kamen ali On va le réciter Halaf, quelqu'un qui dit toujours Wala bilay, c'est pas bon T'es vous bébé Kye ni jan ba main Secondo, Allah beaucoup mahim, comme on fait un nom basanon. Mais pour les gens de la vie d'ici bas, c'est un grand homme. Hamaz, mon lieu d'épouse, ça dit, allez le peuple à côté, voilà, et au même, où t'es là, les gens, vous même, non, où t'es au choix, le cas. Macha un binami, ça dit, moi, même, et moi, il est son allemand, pourquoi tu acceptes ça, ainsi de suite. Et Mana et l'il khair. Il a va montadine et j'en ai la brûlement. Il était comme ça montadine. Et quand vous êtes mort, si tu dois, il a vu là, il doit dire beaucoup d'attendre. Il était comme ça la même. Il a l'argent, il faut qu'on date quoi. Va où tu veux. Tu vas aller où? Tu vas te plaindre où? C'est lui le chef. Qui t'est là les pères. Ben voilà, il a fait ses comportements. Assim, ça dit beaucoup tu as trop bébé qu'elle a. Allah l'insulte. De quelqu'un qui n'est pas intelligent. Un voyou. Tiens, faut fermer, quitte là. Quitte ici. Ah, maintenant, moi, je n'ai pas de bon diable. On tourne. Les enfants, je ne sais pas. Quitte ici. Faut fermer, quitte là. On tourne les gouttes, les haki, naon. Ça n'est pas bien, j'en brode. Je n'en ai pas. Alors, pour le coup, j'en brode, non. Femme, quitte là. Même vous sort, Arabou était vous sur ce qu'il a jamais mangé. Avant l'islam, il y avait plusieurs mariages chez les Arabes. Vous sont deux que. En bois, normal, quand Arabou vous sont pour le Kamani, il faisait ça. Et puis il y avait des femmes aussi qu'on appelle les prostituées. Elles reçoivent des hommes. Nika. Il donne l'enfant à terre. 100 jours. Ou bien, elle se marie pas, mais elle vit qu'on appelle concubinage, c'est-à-dire à tes mariages qu'elle. Il a été refaité comme ça. Bon, à quatre dimensions, il faut que le bruit en terre, il faut que Fatela. Elle n'est pas mariée, elle fait enfant, elle dit il n'a pas de père, elle garde l'enfant. Allez, quel âge il donne. Son papa, bon, il a fait enfant avec sa maman. Son père, bon, sa maman n'a pas
m'a reconnu. C'est à 18 ans que son père l'a reconnu. Au période merveille. Mais Allah pour la m'a connu. Sinon, elle était le fils de son papa. Mais sa maman ne l'a pas donné à son père, n'a pas, reconnaissance de qu'elle a. Voilà. Il était le plus savant de la Mecque aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, le plus savant, il était l'onique makaka pepele. C'est-à-dire, il l'onique pepele. Où est-vous pepele? A dire moi le katim pepeka. Et il est plus âgé que la majorité. Et c'est moi-même qui ai le makaka respecté parce que c'est les hommes. Il n'y a rien qui lui manque là. Ah, bon, quand le Coran est venu, les gens lui ont dit de parler, quoi, de clarifier sa position au Coran. Comment il va venir, comment il va ce que lui va dire, c'est ce que tout le monde va prendre. À quand on a mort la guerre, ils ont fait un rassemblement. On appelle les gens dans le Bébani. On dit Walid va parler aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il va dire, ce que les Mekois en général, Makakal, chez Mbako, le temps. Il a réfléchi, ce qu'il faut dire. Le juré, ce qu'il dit. Moulou n'a pas de loi, c'est rien. Il ne parle pas. C'est-à-dire, à l'époque, pour montrer que ce qu'on va dire, en Pangou, comment sauver la Kouma dans le Arabou, le Aïnial aussi. C'est-à-dire comment on sert la figure, quoi. Ça, c'est un préalable pour montrer aux gens ce qu'on va dire. C'est la chose la plus importante. Il y a le siolo. Et puis, il s'enorgueille. Il a fait des gestes pour montrer que je suis le plan plus grand de la mer. C'est-à-dire, tu veux écouter. Ces racines, là où ça sort, ça te fait vibrer dans ton cœur. Mais, pour tout ce qu'on peut dire, quand quelqu'un lui a affolé, bon, que c'est la vérité. Voilà, c'est fini. Et le prophète, depuis ses yeux, était traité de sorcier, de la mer. Parce qu'il est même fort. C'est ce que tout le monde a appris. Le sorcier de la mer. Voilà. Parce qu'il a commis la sorcier. Parce que le prophète, le fait qu'eux comprennent l'arabe, ça les faisait vibrer à l'intérieur. Alors, le prophète n'était pas un infantile. Quand il récitait le Coran, ça faisait vibrer les gens. Ça dit, il y a un hakika. Et que c'est nous qui comprenons la langue arabe bien. Tu sens, il y a une sensation qui est là. L'arabe, la langue arabe même, a quelque chose de magique. Honnêtement, bien dit. Voilà. Il s'est vu, il s'est dit, mais qu'est-ce qui me manque? Tu sais, mon dol kawesho. Et puis tout va chez eux. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui me manque? C'est ça qui les rend heureux. Celui-là, je peux l'insulter. Qu'est-ce qu'il me fait? Satan vient jouer avec lui. Allez, donc à Béchala, lui, il n'est pas le passé. Oui. Orgueilleux, quoi. Voilà. Il est déchable à l'air. Quand il y a beaucoup de ténèbres alors. Ça dit. Pour lui, tout le monde le connaît. Si quelqu'un a le malheur de lui dire qu'il ne connaît pas. Connaît. Il est mérité. C'est ténèbre. Moi, lui, l'autre qui l'a pas. Mais lui, il était comme ça, très orgueilleux. Qui dit qu'à plage, à vous, qui dit qu'elle est faite, à qui a ouvert vos côtés à ça. Il va tester là, il m'a testé là. Ça dit, moi, je teste là qu'elle a là.
Et puis Nikoka, c'est ben, c'est lui qui finance. Et puis, si tu veux l'agresser physiquement, ses enfants sont là. Des hommes qui avaient des tailles dissuasives, qui avaient des forces physiques. C'est-à-dire, à l'époque, Makawati, Owati, il était qu'à ce qui est là, être agressif. Voilà, il était bon, lui, c'est à Yawa. À Déoul, de toute façon, lui. Et puis, tous ses enfants étaient présents autour de lui. On se mettra à Yazi. Qu'est-ce que tu peux contre lui? Donc, là, on a un peu à qui brille, pour lui, c'est lui qui méritait le courant. Pourquoi l'attaque à Kadilé, maman? Non seulement il connaît le secret de la langue arabe, pourquoi pas lui? Pourquoi Mohamed Ali Soua, qui ne savait pas ni lire ni écrire? Le prophète ne savait pas ni lire ni écrire. Alors qu'il a tout été servi. Ali Kamen Yala, il ne savait pas lire. Mais il avait la connaissance qu'Allah lui a donnée. Il a dit Allah Kouilo Akana, Kouchani Wijedi Mengezamani. Wena flotile wabanina ali deniru le izatutila ya tuna wena kablaki angilane akulana la alehe chedi nyana kala ali chedi epohe akukulana hayanu asate gula wale kundula na makanele c'est des histoires inventées par Mohamed Ali salatu wa salam kundula na makanele c'est des légendes. Le Lufola Moulue qui a maillé, lui dit la même chose. Sana c'est beau, Allah de Horotomi. Sana c'est beau, Allah de Horotomi. Sana c'est beau, il y a Thomas et Akeje. Allah de Horotomi. Il était beau, hein? Oui, et pourquoi c'est aussi en plus? Alors que le Kouyan, non, là, là. Ça dit donner signe, parce que là, là, personne ne pouvait dire que c'était lui, hein? Ah oui, son nom n'est pas cité. C'est le jour de le premier bataille que l'islam a mené, qu'il a été tué. Ce jour-là, les anges ont coupé son nez. C'est là qu'on a su que c'est de lui qu'on parlait. Parce qu'on ne pouvait pas parler comme ça directement. Et le prophète même ne pouvait pas oser que c'est lui. Le prophète savait que c'était lui. Pas tête de couleur qu'après pour couler le roi. Bon, Oyissoua est bon. Ça, c'est la personne que tout le monde respectait. À la Mecque, il avait l'argent, la connaissance, le pouvoir, il avait tout. Mais à la Koukoumote, parce qu'il n'y a pas en affaire. Bon, notre considération, est-ce que c'est le même raisonnement que nous on tient? Est-ce que c'est notre conception de la vie? Non. Quand tu as l'argent, tu as tout aujourd'hui. Voilà. Alika ke moku soa soa le kaja mo te fo. Ika de wuya ka fa wu te meni ka bu wuya te sa fo do le te. E de wuya o ke mo nya la. E do le buso bla la. E do te ko la de do te buso a te la fo. Voilà. Oui. E tra i ku nya ma ngwa. Mo te la fo. Aka do muto nya mo ya ni o ka bi ba bon. Il voyage à Kawena et dans Wedi Molma, tout le monde s'était. C'était comme ça. En 200 ans, j'étais à l'essence. Nous, on est, c'est-à-dire, en yon haut époque, il faut aller là. Mais jamais, ma kaké, tu vois. On doit considérer les gens selon leur rapport avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Aoula Koukou, membre même Maniza. C'est une famille. Où était Apabou là? Quand le papa est décédé, alors c'est fini. Les zakats, tout ça, la cour, le vieux gaspillait notre argent. Voilà, quand pendant le jour, on a donné une poussière, tout ça, là, il vient de... Nous, on va bien gérer. C'est bien des bons gestionnaires. Amour, le salaire, nous couper, Cameroun, nous serait, ainsi de suite. À la dévéloïna, on a la bala, on a homo. Ceux qui avaient un chant, moi-même, au lieu que je à la bonne heure, t'as voix. Ça dit, les papa avait un chant, des tâches, ça dit, immense. Ça dit, à café, il est fort. À café, c'est un ding bol la même. Tout ce qui est tombé, c'est-à-dire les fruits de ton mur là, il faut qu'on peut bien mis ce qu'il y a à l'état de. Après, il donne la zakat aussi.
Pour ne pas que les pauvres, les indigents, ou le anako, mon papa faisait un café, trapper, perdu, apprendre à lui, là, ou non, non, non. On va se cacher, et se réveiller très tôt, et puis quand on passe un guide, on va. Quand on se remet, Junade, à Yama Foko, Inch'Allah. Patana Dao, à Akadignon, il est là, mon c'est Akadignon, il est là, mon c'est là, je m'en comprends, mais son matin, Junada, on est arrivé d'où. Allez pour lui tra la vie le roi au dada des bons nous avons le droit là ça dit sont en train de poser les idées bon toi tu penses n'a que rien qu'à dire alors on doit combien de tonnes on doit combien de machins alors le folie n'aurait pas aujourd'hui les pauvres sont pas là mais on va voir beaucoup hein, quand on va vendre on va bien gagner alors le folie n'aura ça alors du coup là n'a pas mis ce qui nous au point d'un qui est mis ce qui n'a qui Côté Nado, Alléluia, côté Nado, Alléluia, Abila, Nado, Alléluia, Alléluia, il n'y a pas un pauvre qui va rentrer dans notre champ aujourd'hui. Inch'Allah, on va aller ramasser tous les fruits, et puis ainsi de suite, on va gagner beaucoup d'argent. Allez, moi, le qui soit ma boue, en la harité. Allez, moi, le qui soit ma boue, en la harité. Fana, ta commande, ma cadérina. Akila la, aya loko doa lue se balu le an le he. Pwana luta kouba de ma fezoa du. Alou ya la kou, ah, kou jon vraiment reçu a pose la pen au pauvre et aux indigents. A kou fandangi la. Mais c'est arrivé. Kwa na si ma vie ba kou. Fa, quelqu'un, non, 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 kou ne bo toi ni kou nga sa la de bo. J'y marche doucement. Vous n'êtes pas que mes voisins sages. Parce qu'on est entouré des pauvres. Qu'est-ce qui... Voilà, quand on est sur la sacou, dit ça. Nous, papa, il ne connaissait pas la gestion. Au-dessous de Nyamema. Ni ta kafondiye kedi. Ça devient charbon. Le charbon est noir. Ça dit Sana loa ta sous l'or. A la kassangwe mambla fin l'or. Tout a été brûlé complètement. Le feu n'a rien laissé. A la fin, eux sont en train de se concerter. À empêcher les pauvres d'accéder à leur champ le lendemain. Et Allah subhanahu wa ta'ala ben, les a punis sévèrement en lançant un feu sur les champs et puis ça a tout brûlé.
Et quand même, il y a un adosa canaculé. Il doit les aider. Salamena. Allez, bon, lui, nana, délica, à la sela. Saouda. Ah, ouais, puis bon, démoratare. À Pédinien. Quels sont les bisous de Jean? C'est son père. Combien de menés? Allez, anasien, peuple, dit, il y a un cami, petit, il y a un Allez, ils se sont dit, mais où est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Il n'a jamais eu de la bébé. C'est-à-dire, il y a très grand lieu. Mais qu'est-ce que qu'on ne s'est pas trompé? Quand est-ce qu'il est mené? Quand est-ce qu'il est mené? Ou peut-être on s'est trompé. Mais quand est-ce qu'il est mené? Quand est-ce qu'il est mené? Mais, il est très namine, à vous prendre à s'il est mené. Tu m'as calé, pour le voir, les mots, nous n'en avons eu le lamant de vous. Samena ana lonigela ana na tegre ya mege kwatalu bali ogo mato ye na hanu ko aludu maharu kolu we rabu ya bolu samarata asie jide la bimani ena akumani koso alifuka ya ke fonda lula ome la ils ont tenu un raisonnement logique quand ils ont vu la certitude que c'est leur champ qui a été complètement brûlé. Ils se sont dit, mais est-ce que ce n'est pas une punition divine? C'est parce qu'on n'a pas fait ce que notre papa faisait qu'Allah nous a puni sévèrement. Vous prenez trop le couvent. Moi, Hakima, quand tu es là, moi, tu dois te poser des questions. Pourquoi, mec, là? Tu tires des leçons. Peut-être c'est un comportement que tu as. Peut-être tu as fait quelque chose. Ou peut-être tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Mais qui t'a brouillé à quête et tu ne réfléchis pas, tu dis non, moi, pas ma carte, je ne t'embrouille pas. Quand il y a un changement dans ta vie, en bien ou en mal, il faut se poser des questions. Oui, peut-être qu'il y a un rapport à l'écrire. Bon, et qui brûle, peut-être qu'il y a un homme, il y a un gendarme. Quand ça ne va pas, pour une arme, à connaître un boulot qui est là. Donc tu sais, tu te réduis toi-même, voilà. Et puis tu te dis, ah, peut-être qu'on nous mène un coup. Alors quand il baissera pas, mais quand on le y a pour le marché. Allez, mon lieu, non, les gars. Ah, perso Hakima, bien aimé. Ah, perso Hakima, nana, pour le roi, la bombe. Allez, mon lieu, la marque. Oui, à la bonne à ma voix, la bombe. Pour le ma voix, à le yawa, inama. Et lui, il avait averti. Tu sais, quelquefois, dans les familles, il y a quelqu'un qui est là, qui est modérateur. Ah, c'est un gars, mais c'est pas comme ça. Hein. On ne va pas faire ça. Nous, on remarque les familles maintenant, c'est fini. La famille peut se disloquer complètement. Allez, puis on s'en l'ombre, c'est un nom. Laoula, tout ça, bihona. Eh, kouyala, le tessé, yadike, wa, ala. Tassé, yadike, ala, laouta, yébé. Allez, puis bon, allez. Bon, t'aimes bien Haki, blab, comme ma faille. Quand il parlait, bon, tout d'or, goutier, il dit que ça, oh. Et il t'a même, lui, il a dit non. Est-ce que Allah va pas nous faire? Est-ce qu'on est en bataille, on va te essayer qu'elle a, on va te faire qu'elle a mort lui? On va te marquer Fandane. On est trop chaque avoir goûté pour lui dans un ordre. Toi, tu es trop gentil, toi, tu es trop mou. Toi, tu es trop gentil, qu'on doit nous donner au pauvre. Tu es dans la folle, mais quand même, quand même, quand faut subhanallah, quand tu lui gâteras la maman. Allez, mon lieu, nana, pour lui, l'osouana, rabina. Où c'est avec un doute à matrié, ena. Quand lui l'a dit, ça dit subhanallah, réfléchissez. Ah, vous n'en avez pas, vraiment, qu'on vous lever. Quand vous m'avez fait dans lui là, quoi ça va vous lever? Quand tu lui cattes la main, quand vous lui dites,
C'est toi qui as parlé premier. Bon, laisse-moi tranquille, mais j'ai parlé. Pourquoi toi tu n'as pas révisé? Toi aussi tu pourrais dire ce que tu penses. Non, comment j'y pensais, mais j'ai pas osé le dire. Mais il fallait le dire. A qui n'y a ça. Au coup d'un guet à quel attendait. Nous avons un peu sur là. Mon bébé, bébé, alors. Comme tu es maïa loin. Pour les maïa loin, il était salon et salon dehors. Donc il n'a qu'à connaître. Ni toi, tu prends la position médiane, c'est toi qui as plus de force que tout le monde de parler. Anga faut aller. Anga fait aller. Mene bena. Nane kamenga, c'était pas bon. Mene fissé à la. Oui. Allez, mon lieu, nan avoir eu l'or, yawelana. Kouya loa raki venina. Kwa le drogouna. Kwa le lekela drogina. Dayati mi balu le anzarabouna. Si on se répand et revient à l'âge pour nous attendre là, je ne dis pas là, il y a rien. Maintenant, là, ça c'est complètement perdu. Là, ils vont commencer dans la pauvreté maintenant. Comment dire? Ils vont commencer zéro pour devenir quelqu'un après. Voilà, ce que leur papa avait fait, à la carte de tout. Parce que Aluma, tout à fait. Au coup, on a la carrière à Kaye. À Kounyan, le roi. Ne dites pas, votre papa a travaillé, pour les autres, là, les papas n'ont rien fait. Ah, nous, on est bien. Ah, oh, nous, on est... Non, non. On a des bons cela. Tout le temps, on est là. Son père avait l'argent, lui, il tire le genre de zéro. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont rien fait. Lui, il est venu dire que vous. Donc, il y en a qui sort, qui a barré le sort. Il ne faut pas te dire, il ne faut pas faire l'ordre sur les autres. Il faut te dire, mon dos, il a barré le sort. On va se repentir et puis demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Kazalika li azabu jangiaou, kazalika alata jangiaou, kazalika tanede limani. Y'a que moyen, mon méga sosolike. Allah beaucoup mèque, l'équivalent là, il peut te châtier ici bas. Ou bien est-ce qu'il m'a commandé à moi? Ou est-ce qu'il y a bon noya? Ou est-ce qu'il y a bon noya? Yoyé, quand tu poses un mauvais acte, qu'Allah te soit te pardonne ou il te punisse, c'est mieux que j'en prie. Mais qui a ma taille, ça c'est encore plus difficile à supporter. Voilà, ça boule à rérati. Y'a ma djanga ou à qui barou. Pour la beauté, y'a ta les laokanou. Pas les aliments lourds, t'es gâché. Y'a quoi, vel d'ordi, gâle ou en zaba. Qui a ma djanga la baha. Quoi, t'es un assoi, la Shabbat, le col, le bagage, le bien, le
Donc quoi le kuni qui a ma ko diala lo jo qui a ma diala quoi kuni qui a ma diala qui a ma te diala on a ma diala mingela lu te pour la tenir quoi kuni a diala là kuni qui a ma diala ina janati na ala de wi lo ina janati na emi kuni ma sa la lo de le mota ko le ala sha de wo yo ko le ala sha ya ni wo yo e la rabbi ma ma tra ni Ici bas, mais quand ici, quand tu es mauvais, tu peux gagner de l'argent, tu peux vivre bien ici, même quand tu es mauvais. Voilà, il y a jusqu'à la propre bien le point tel argent, lui en tient pas. Mais qui a ma bien cela, mon coup de bouton là. Profite donc là pour mon bidin, alléluia, alléluia, qui dit que la hadanina, 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 que Allah vous a Allah descendu un autre niveau sur vous, qui vous dit que quand tu reçus la vie d'ici, tu vas reçu la vie de l'homme qui a, non? Et dans la main, au fond de la commun, pour défendre à l'œil. La main de pire, il y a quelqu'un qui est dans la main. Ta faille à Rona, il y a quelqu'un qui est dans la main. Ta faille à Rona, il y a quelqu'un qui est dans la main. C'est-à-dire qu'au coup qui est dans alors quand même vous soyez dit pour le coup car le tal aujourd'hui bon quand il vient jour un qui a mangeur ça c'est bon signe aussi c'est mais à quel point vous venez de vous dire aussi on a reçu ici dans la vie d'ici bas ben ça pour que le jour du jugement on va vous y gagner. Voilà, bala irido, la bali gato, la dana, c'est bon, la coule, amen, à la main, la gêne à la main, et la yom, la la yom, 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 pour voler à l'ouïeta à Koumouna, à l'eau qui dit qu'elle a fait, à qui dit qu'elle a fait, mais non, c'est impossible. À vous dire, j'ai été, quand vous coupez, vous m'engagez à l'ouïe, à la cour de Galouïe. Voyons la ligne de la paix. Il y a les bons mandoués, ça dit au mot. Il y a les cas les bons loups là, à l'ouïe. Quoi les bons loups, j'en ai un mot. C'est ça qui nous permet de tenir et de faire ça. Mm-hmm. Bon, Allah est belle qui est là, ces jours-là. Ben, quand il veut le faire, il ne peut pas. Ben, c'est consterné, ni faire la génuflexion. Khashianta Abu Zwaru Omu. Allez, Molu Nyavel Toya, Bonel Ayali Baona. Atesinya Kota la Tari Abu Omu Zilatu. Toya O. Oina Kubuga, les Molu Lawaka de Kanu. La gara gale mo te kala jeje nu ya lo yu de ona ki ke te al mo lu la ila sujudi ta ka si ke ja lo wa o da da le mo lu sa le mo na.
On doit payer. Non, c'est gratuit. Hein. Moi, je ne suis pas payé, hein. Je suis sur Facebook, là, voilà. L'internet est payé, ainsi de suite. Alhamdulillah. Voilà, parce que lui s'est précipité. Lui s'est précipité, il a quitté la ville, qu'Allah va vous châtier. Mais ça attend l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une responsabilité. On doit bouger par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'il te dit. Bouge, viens, et puis ainsi de suite. Allez, Kabor. Eh bien, ils ont fait le tirage du sort. Il est tombé à Kabla Kabla Jiro. Puis la baleine l'a avalé. Et puis ben, il est resté à l'intérieur de la baleine. Dans le désert là-bas, et puis. Sinon, il peut te jeter dans. Il peut encore te faire endurer plus. Donc, Nika Koujougué, Nala qui Idan Yama, ou bien qui Toroma, tu fais le repentir. Tu dis là, il a l'air d'un subhanahu wa ta'ala.
Il y a des gens qui sont faibles, hein. Mon dos qui dit aussi, ça les fait des effets. Il faut être fort. Alors le voilà, Dylan. Quelqu'un qui te regarde mal accorde la cécité. Et puis il n'y a rien à Boutagnao, ailleurs de l'Ossi. Il sert la figure. Ça serait pour grand lui. Fais comme tu ne le vois pas. Même si tu le vois, ne lui donne pas de considération. Aflalé, mais quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi, ou le coco qui a pu être aussi. Il est temps qu'il y a un peu de toi, tu es là. La masa biwa ya bendinya wa zelo zegera kwa na kangala wa ya guluna unyalo si ba menwe mama du kolo olu fola le hasada la si ya kuswa ina ho ko mama du la maji ko mama du eke patode bisababi likuri ya ko mama du eke patode bisababi Bon, on a fini. Bon, les 16h13. Voilà, on a débordé aujourd'hui, on a commencé tard pratiquement. Donc, ben voilà, il y a des vues comme ça. Voilà, on a débordé. Mais voilà, on va en Inch'Allah. J'espère qu'on a tiré les sons jusqu'à ce qu'on dise aujourd'hui. Oui, on peut poser des questions, après on peut faire. S'il y a des questions, on peut les poser. La première personne qui a posé sa question, il demande si tu peux lui en dire si le mariage par contrat. Sur ça, le mariage. Mariage par contrat, c'est qu'on appelle en islam nikah ou muta. Mariage par contrat, c'est-à-dire c'est qu'on fait un engagement avec une femme pour une durée déterminée. C'est cela, non? Ça, c'est haram dans l'islam. C'était permis au début de l'islam. Et après, Rasoul alayhi salatu wa salam a mis fin à cela. Nikah ou muta. Voilà. Kata diado lo kule mouso kou wedma. Abel o katra se wad doma. Haram, haram, haram. Et ceux qui disent que c'est encore pratiquant, ce sont les filles.
Et si surtout les sites égarés là, non, on ne doit plus le faire, Rasoulou Ali Solasolam l'interdit. Foukoumouni, ça n'existe pas. Mariage par contrat, non. Un mariage, c'est fait pour Foutoutou, c'est-à-dire pour l'éternité, sauf si, sauf il y a un divorce qui intervient, et le divorce, c'est une situation chez vous. Il y a un autre qui demande. Ouais. Si la personne est mariée, elle est mariée avec un mécréant pendant le ramadan. Oui, on avait posé la question, mais je peux revenir là-dessus. Au mois du ramadan, un ami ou un don venant de quelqu'un qui n'est pas musulman, oui, on peut consommer. Si le don est halal, c'est-à-dire que ce n'est pas le porc, ce n'est pas l'alcool, si c'est du riz, le riz, l'huile, puis ainsi de suite, ben, sucre, on peut consommer, il n'y a aucun problème. Le don est tiré de quelqu'un qui, c'est-à-dire qu'il y a un maquis, il fait un don. Vas-y, après on va voir. Si le don vient de quelqu'un qui est haram, quelqu'un qui vend, non, on doit vérifier. Mais on n'est pas dans l'obligation de vérifier. Hein. Puisque quelqu'un te fait un don, c'est un vendeur d'alcool à bois fleuri ou ça, toi tu ne sais pas, il vient te faire un don, tu te prends. Mais si tu sais sciemment, ça dit que tu connais la personne, que c'est un voleur, c'est un. Voilà, bon là, dans ce cas-là, tu vérifies. Est-ce qu'on a compris la différence? C'est-à-dire, tu sais que la personne, ça donne à vendre l'alcool. Bon, là, toi, tu sais, là, cela. Mais si quelqu'un vient te voir comme ça, tu ne sais pas s'il est vendeur d'alcool, ou un voleur, ou une prostituée, s'il vient te donner, tu peux vendre. Quand tu ne sais pas, hein, mais quand tu sais la provenance, non, tu ne dois plus prendre. Voilà. On a compris? Voilà. Oui, une question. Ouais. C'est-à-dire, j'ai un ami qui a demandé une fille en mariage. Ouais. Maintenant, il veut savoir si cette femme peut cuisiner pour lui pendant le mois de jeûne. Ah, cette question-là m'a été posée pas l'année, ou avant l'année, il y a 2 ans. Tu demandes la main d'une fille. Conformément aux règles de l'islam, tu as demandé sa main aux parents. Les trois parents lui font, il faut avoir un son, on va te donner une autre fille. Après, du Sungaro Bana. Voilà, après Ramadan, on va faire le mariage, parce que comme on le voit, comme vous êtes quand vous allez là. Dans ce, ouais, c'est préparé pour toi, tu peux manger. Mais pas ta copine, avec qui tu t'adonnes aux choses aux commandements que l'Islam a interdit, c'est-à-dire avec qui tu fais la fornication, non. Si c'est une fille qui a demandé la main, oui. Mais il y a mon bonjour, non. Mon Olivier était pour venir avec moi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a compris? Très bien. Voilà. Une dernière, il y a une fille qui demande, elle était dans un endroit où il pleuvait. Ouais. La pluie l'a trouvée dans une église. Oui. Elle s'est habitée dans une église. Elle s'est habitée dans une église. Voilà. Oui. Maintenant, lieu de prier, la trouvée là-bas. Ouais. Elle demande, étant en Abidjan, est-ce qu'il est permis de prier dans l'église? Oui, elle peut prier. Si l'aide de la prière te retrouve dans une église, mm-hmm. Puis chercher un coin pour ta prière. Là, c'est pas interdit. Voilà. Ok. Ça va pour aujourd'hui. Voilà, ça va pour aujourd'hui. Bon, on a une question. Ouais. Est-ce qu'on peut donner sa zakat à quelqu'un qui vous doit? Déjà, il vous doit 1 million, vous, votre zakat est 3 millions. Ouais. Vous lui donnez pour qu'il vous rembourse votre argent. C'est possible? Il est pauvre? Oui. Il est pauvre? Extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre? Ouais. Tu peux lui donner ta zakat. Tu rembourses ton argent. Si tu rembourses, tant mieux. Mais toi, tu ne fais pas avec l'intention qu'il te rembourse. C'est comme donnant, va. Pour que tu puisses me rembourser, je te donne l'argent. C'est pas interdit. Là, tu vas alléger. Tu vas l'alléger. Voilà, c'est comme si tu lui dis qu'il ne te va plus. Parce qu'il ne peut plus payer ton crédit. Mais ce qui est mieux, on t'assure dans le cœur de la con. Toi, tu t'es dit, bon, je te laisse mon argent, pense à moi, je te donne. Donner encore en plus, quoi. Ça dit combien c'est hier. Voilà. Sinon, tu peux donner. C'est pas interdit. Hein. C'est un peu quand on est comme une des là. Bon, il y a un wedding. C'est comme l'argent. C'est, l'argent est licite pour toi. Il y a du ça. Il s'est là de la main. Et puis, lui, tu es rembourse. Mais tu gardes pas qu'avant que mon yamé quand lui donne. Il dit, man. Maintenant, lui, tu peux exiger à ce qu'il te paie ton crédit. Ça, il n'y a pas de problème. Nous devons aboyer pour que la personne soit allégée. Ce n'est pas interdit.
Merci beaucoup. Moi j'ai écouté sur Albaïen. Je dis ouais, que le mariage, c'est pas dans le mois de. Oui, j'ai dit ça ici. Comme tu n'étais pas là hier, la question était on peut célébrer un mariage au mois de carême, il n'y a pas de problème. Mais les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les festivités, on est dans la joie, on mange, on voilà. Comme on ne peut pas faire ces festivités-là pendant le mois de Ramadan, notre célébrer un mariage sort, normal, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est bon. Alors,